Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode de Season After Fall. Aujourd'hui, on reprend notre partie là où on en était à peu près, parce que j'ai essayé de chercher un peu plus la solution, mais en fait, en 2 secondes et demie, j'ai trouvé. Donc du coup, je vous répète que j'enchaîne les enregistrements des épisodes, donc du coup, je n'aurai pas vos retours. J'espère sincèrement que ces épisodes vous plaisent et que ce petit jeu indépendant vous plaise aussi. Il est sorti en 2016, je vous fais un petit rappel, et en fait il n'y a vraiment pas du tout de côté violence dedans. Il est vraiment très zen, très apaisant, et c'est pour ça aussi que j'adore ce genre de jeu. En plus de ça, le graphisme est totalement ouf. Donc on reprend et on continue d'avancer dans cette histoire très fort sympathique. Donc du coup je suis allée ici et j'ai juste en fait récupéré la petite graine qui va nous casser l'arbre, parfait, et qui du coup va nous aider à pouvoir avancer dans le jeu, parce que cette petite graine là elle peut faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout simplement cette petite graine, alors certes elle se barre quand on hein, elle est gentille la petite graine, mais elle va arrêter de se barrer. Non, 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 viens ici. Voilà. Par contre, elles sont reloues. Hein. Ces graines-là, elles sont méga reloues. Voilà. Barre-toi là-bas. Voilà. Et voilà ce que je voulais que tu me fasses. Ok. Donc maintenant, on remonte ici. On met l'hiver. Tac. Non, mais le printemps, pardon, excusez-moi, mais le printemps, parce que derrière, on a besoin du printemps pour que le truc, il nous balance de la flotte dessus, mais avant, il faut qu'on le mette en terre, donc du coup, il va falloir qu'on traverse de l'autre côté, qu'on lui fasse faire un tape-cul, hein, et après, eh bien, non, loupé, oh non, ah si, c'est bon, et donc, du coup, maintenant qu'on est en plein... Elle va nous faire pousser un arbre. Perfect pour nous. Parce que derrière, il fallait qu'on rattrape l'arbre volant de l'autre côté. Donc du coup, c'est parti. Maintenant que j'ai découvert l'énigme en 2 minutes, au moment où j'ai dit au revoir, en fait, j'ai continué et j'ai remarqué cette astuce-là. Voilà. Comme quoi, des fois... faut pas aller très très loin, il faut arrêter de s'énerver et on trouve la technique très facilement. Alors lui il va nous emmener où? La musique change déjà. Il nous emmène là-haut. Des petites fleurs. Là. Je pense que là il va falloir faire un coup d'hiver pour rester correct. Hop là dans le jeu. Ah, là, il nous faut le printemps. Doudou. Si avec ça, vous savez pas comment on fait. Hop là, et on avance dans cette petite histoire. Très fort sympathique. Ok, donc là il faut attraper ce petit vaisseau. Vaisseau, comment on peut appeler ça? Je sais pas comment on peut dire ça. C'est pas un vaisseau. C'est un... On va mettre l'hiver parce que ça me gonfle là de nager. Hop, le petit renard il en a marre. Ah, on peut pas... Ok. Dire comment c'est un petit hop là, notre taxi est arrivé. No comment s'il vous plaît. Je suis tellement douée que je n'arrive même pas à sauter sur le truc. Allez, tu peux y arriver petit renard.
Vas-y, saute. Voilà. J'avais pas demandé grand chose. Et on saute pour arriver là-bas. Et on ressaute pour arriver là. Et ici, nous avons normalement en organisation, en repérage, je suis zéro. Parce qu'il y a des arbres de partout qui volent, donc automatiquement c'est un peu plus compliqué. On va réussir à trouver. On ne s'affole pas. Ah ben voilà. Vous voyez, comme quoi j'avais pas très très tort de partir par là-bas. Donc on prend notre notre ronde de téléportation. On va appeler ça comme ça. Et là, on va aller de l'autre côté, en fait. Et en fait, c'est exactement le même terrain. Alors, il faut mettre le printemps. Enfin, l'automne. Parce qu'il y a les champs pipi. Oh non, faut faire ça encore. C'est nul ça. On fait le deuxième arbre. Tacadoum, tacadoum. Il n'y en a plus qu'un et on aura fini. Ouh, ça c'est du passage, mon gars. Et ça me sert à quoi? Est-ce que réellement je peux y aller par là? Ça me sert à quoi? Hein, dis-moi. À quoi me sert ce petit passage? Je suis bien contente de le savoir. Ok, ça y est, les énigmes sont commencent à être un peu... Nals. Oui. On va le prendre, il est content. Voilà, voilà. T'es allé parler? Ah, c'était ça le signe. Putain, en plus je suis descendue pour mieux remonter quoi. Y'a pas de quoi être vénère. C'est pas grave. Le principal c'est d'avancer. Toujours voir les choses positives. Et là, va falloir japper sur le truc. Petit goupil. Tout, 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 tout. Poulon. Oula. Je crois que ça s'est fâché. Petite musique fort sympathique. Ah, tout ça juste pour la deuxième. Non, attendez, vous plaisantez, il y en a encore deux là. On est à peine à 50% du jeu. Sais-tu ce qu'est réellement une graine, Goupil? Non. Une graine, c'est une chose extrêmement rare dans la vie d'une forêt. C'est une sorte de miracle dont nous, les gardiens des saisons avant la charge. Mmh. Une fois son éducation achevée, le destin d'une graine est de quitter le sanctuaire et de trouver un endroit pour germer, à condition qu'elle y soit prête. Ok. C'est tout? On fait quoi là? Vous voyez, c'est ça ce que je vous disais, c'est... On sait pas en fait réellement ce qu'on doit faire là. On est abandonné. On est abandonné. On est tous abandonnés. On va passer devant la cigale. Vous savez qui était en bas? On va essayer de la retrouver, la cigale. Voilà.
J'ai l'impression qu'il en manque une. Il manque une connexion. Bon, bref, on va retourner à la stèle. Ça sert de téléporteur, mais ça me va très bien, ça. Bon, je pense que là, ça a été fait. Je pense que ce terrain-là a été fait, a été créé. Ok. Haha. Ça, par contre, j'avais pas vu. Ah, ah. Donc, c'est peut-être ce chemin qu'il faut faire. J'adore les bruits de pattes dans la neige. C'est juste énorme. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, il fait dodo. Tu n'as rien à me dire? Tu es sûr? Bah non. Non, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah. Comment expliques-tu qu'il y a un cerf perdu en plein milieu du puits? Et dis-moi comment un saumon a pu seul grimper à un pin. Ah, c'est pas mal, ça. Et que fait cette méduse dans l'eau? Bah, c'est un peu normal, ça, par contre. L'évolution des espèces, peut-être? Ah, c'est sûrement ça, oui. Oh, ça va. Je voulais juste m'amuser, rien de plus. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? On ne joue pas avec les animaux, on ne leur fait pas faire n'importe quoi. Mais c'est que je m'ennuie, moi. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre dans cette forêt. Non, il ne faut pas attendre. Il faut observer, écouter, apprendre. Je sais, mais c'est difficile. Je m'excuse. Ce ne sont pas des excuses que j'attends de toi. J'aimerais simplement que tu comprennes l'importance d'une vie. On ne possède un animal que si c'est strictement nécessaire. S'il est en danger, ou si le sanctuaire a besoin de lui, par exemple. En attendant que tu comprennes, je dissuaderai les animaux de s'approcher de notre forêt. Ok. Donc nous avons eu une discussion entre l'ours et la graine apparemment. Et donc du coup apparemment elle faisait pas mal de petites bêtises comme ça de ce style là. Et du coup l'ours lui a repris la reprise sur ce qu'elle a fait parce que voilà c'était pas bien. Et du coup, bah, ça nous rappelle en fait les souvenirs qu'ils ont eus.
Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que ça, au début, on ne les avait pas. Donc, on va essayer de retrouver la pierre là qui ressemble à... je sais pas quoi là. Je crois que là, c'est l'ours. L'ours. C'est mon pote nounours. Moi, j'ai un nounours. Tu es beau. Tu te réveilles pas? Bon, bah, il se réveille pas. Donc du coup, c'est lui qui parlait avec la graine, je pense. Donc du coup, on va essayer de retrouver... Ah, j'arrête pas de dire, donc du coup, je suis sincèrement désolée, mais là, j'ai pas le choix. On va essayer de retrouver la... le lieu où est-ce qu'il y avait le... les pierres, là, qui étaient en forme de cercle. Oh merde, il faut monter là-haut. On est déjà à 21 minutes, que ça passe vite, mon dieu. J'ai pas l'impression d'avancer là dans cette deuxième partie. Alors que si, pourtant j'avance. Hein. Là, on a découvert quand même des trucs, on fait des trucs, c'est ça ce qui est cool. Mais... je trouve que là ça avance lentement ce qu'on cherche. Rien nous est indiqué et c'est hyper relou là-dessus parce que voilà, c'est pas indiqué. Elles sont pas ici, les pierres. Non. Donc, on va essayer de rejoindre de l'autre côté. À la clique. Et en fait, maintenant, il va falloir certainement découvrir des... souvenir de notre ami le renard pour pouvoir en fait les ramener et les réunir pour comprendre en fait qui est cette graine qui nous veut du mal alors que de base c'est elle qui nous a appelés. Je sais plus où est-ce que je l'ai trouvé, je crois que c'est ici là. Les pierres, c'était ici. J'espère juste que c'était pas en haut des cailloux. J'ai une très mauvaise mémoire là-dessus. Non. Oh, punaise de Moïse. Ouais, je suis désolée, là, je manque un peu d'énergie. Parce que je trouve qu'on se perd trop facilement. C'est... il est très beau ce jeu, il n'y a pas de souci, mais alors... dès qu'on se perd, on perd 20 minutes, quoi. Moi, ça me saoule. J'adore ce jeu, pourtant, et c'est dommage. Voilà. C'était ici qu'on est allé. Bon. Écoutez les amis, on va se laisser ici. Nous, ça fait à peu près 25 minutes. Donc, on est à peu près dans les temps des 30 minutes. Donc, j'espère que ce petit let's play vous plaît. Let's play vous plaît.
Ouais, si, ça se dit. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode. Et bah, bonne journée. Allez, ciao, bisous.